Bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD sur Subnautica. On a fini de s'occuper de la base de l'autre côté, les aliens LSD nous sont fait péter un câble, mais c'est bon, c'est fait, c'est posé. Par contre, on a un petit souci. On a un petit souci. C'est que là, on a besoin de magnétite. On a besoin de magnétite parce que on veut notamment faire les améliorations de sonar qui sont de l'autre côté. Et je présume que j'en aurai besoin pour d'autres trucs plus tard. Mais... Parce qu'il y a toujours un mais. Nous avons cette situation-là où la magnétite que nous voyons, elle est là-bas. Il y en a plein, vous avez vu? Il y en a plein de magnétite en bas. Vous savez où c'est ça? Ça, c'est la zone de cristal avec le Léviathan des ombres. Donc, puisque je vais aller là-bas, je me suis dit qu'on va faire une VOD. Donc, ben, voilà. Cool. J'aime. J'aime. Voilà. Donc, on va dans les profondeurs. On va aller tapoter... Enfin, passer à côté d'un Léviathan, on va pas le tapoter, on va passer à côté du Léviathan. Et on va essayer de récupérer de la magnétite. Hein. On va essayer d'y aller tout doucement. Pas besoin de se précipiter. Pas besoin de se précipiter. Voilà. Ah, il y a plein de petits pings. Hein. Il y en a plein de la magnétite. Hein. Oh là là. Je suis tellement pas heureux d'être là. Je peux pas la ramasser depuis l'extérieur, non. Hein. Je suis tellement malheureux d'être là, sachez-le. Tiens, du Disten. Ah, ça aussi, je présume que j'en aurais besoin, donc tant qu'à faire. Hein? Tant qu'à faire. Ah, je suis tellement malheureux d'être là. Ah, prenez par exemple sur moi, alors. J'ai rien fait de ma journée. Martak va souffrir, ça va te faire du bien. D'ailleurs, je suis en train de faire le malin à regarder le chat, hein, mais c'est complètement con. Hein. Je devrais pas vous regarder. Hein. Papa la papa. Papa la papa. Papa la papa. Ah, salut. Mais t'es grand, toi. Il est vraiment plus grand que les autres, ce con. C'est rare que tu aies conscient du danger pendant qu'il y a le danger. Ça va, des fois je fais attention. Hop là. Ta 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 ta. Oui. Ah, salut. Non, mais non, mais non. Non, mais non. Tiens. Tiens, mange ta mère. Mange ta mère. Tiens, 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 viens, 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 viens. Non mais t'es bien, reviens. Petit, petit. Viens, j'aimais bien ce coin-là. Je pouvais le coincer. Reviens. Petit.
Petit. Oh, tu te calmes, tu te calmes. Ah! Non, ça c'est de la triche, ça. Ça c'est de la triche, mon grand. Ça c'est de la triche. Tu triches. C'est moi qui filoute, hein. C'est à moi de filouter. C'est à moi de filouter. T'as filouté alors que je filoutais. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Vous avez vu depuis que je sais que j'ai une combinaison prone qui peut mettre des tatanes de forain, ça va vachement mieux hein, contre les Léviathans. Ça va vachement mieux, hein. Petit? Petit? Petit, petit. Bon, attendez, on va quand même le réparer un coup, hein. Oui, effectivement, c'est oiseau. C'est toi le prone. Oui, c'est vrai. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Salut. Viens, vas-y. Vas-y. J'aime bien quand tu m'engolises, donc en fait, reste là. Voilà, viens. 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 Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, hein, mais je vais le choper. Hein. Je vais lui niquer sa mère. Je vais lui niquer sa mère. Tu vas te renseigner auprès des associations de consommateurs. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vais arrêter de râler ici et aller faire de la moto. Ça peut être, si ça peut te faire du bien, c'est à faire. Hein. Oui, par contre, oui, effectivement, tu es en Pologne. Il y a des doutes, j'ai des doutes que ça puisse aider, malheureusement. Après, on sait jamais. Hein. Ils peuvent avoir des conseils, en vrai. En vrai, ils peuvent avoir... Ouais, il y a des assauts ici quand même. Ah oui, bah après ça me semblerait étonnant qu'il n'y en aurait pas. Ça me semblerait étonnant qu'il n'y en aurait pas. Je vois pas pourquoi est-ce qu'en Pologne il n'y aurait pas d'association de consommateurs. Il y en a forcément, enfin il y a de tout. Par contre, j'ai tellement maintenant de magnétite qui apparaît que je vois plus rien. C'est pas cool. Petit Léviathan. Tiens, viens là. Tu peux pas revenir que je te défonce la gueule? Je me sais pas du tout combien il a de PV, je sais pas du tout combien de dégâts je fais, mais je pense qu'on va en avoir pour un petit moment si je veux le buter comme ça. Salut! Ah! Bon bah attends, je te mets des tatanes, hein. Tu viens là? Oh! Je l'ai buté? Non. Viens là, mon grand. Viens là, mon grand. Crois-moi, je vais te défoncer la gueule. Viens là. Attends. Ah non mais moi je vais te mettre des coups hein. Par contre là on va se réparer hein. Voilà, tac. 40% c'est pas foufou. On va la voir hein. On va la voir hein. Rien à foutre. Je vais le défoncer. Je vais prendre de quoi faire des lasagnes. Oh, c'est pas mal ça. Sinon tu les retrouves, tu fous le feu au bâtiment, tu chopes le PDG, tu lui fais avaler la bague. C'est un peu violent, vous savez, la violence c'est pas forcément foufou. Hein. Des lasagnes au poulet, j'avoue que je connais pas, mais non, au bœuf. Ah oui, lasagne ou poulet, c'est kiff, c'est ça. Pour toi c'est pareil. Ça se mange et c'est bon. Billy. 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 Salut Billy. Non, mais non. Je me suis trompé de touche.
Mais bouffe-lui le cul! Oh, je sais pas combien de PV il a, mais. Mais quel enfer! Jackie! Je sais pas du tout combien de PV il a. Hein. C'est. Infernal. Ah! Non! Monte ta gueule, vas-y, 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 vas-y. Oh là là, quel enfer. Du coup, j'ai sans faire exprès rangé ma. Ranger ma lampe. Petite erreur, petite erreur. Tout a un goût de poulet. Vous croyez que le Léviathan, il a un goût de poulet? Je viens de regarder, il a beaucoup de PV, genre plusieurs milliers. Hein? Donc ça va prendre du temps de le buter. M'en fous, je vais te casser la gueule. Tiens, viens là. Hé hey, tu faisais plus le clac-clac des bouches. Oh. Non, mais je vais te buter. Même si ça me prend des plombes. Je vais le buter. 5000. Je sais pas du tout combien je lui enlève. Je sais pas du tout combien je lui enlève avec ça. Ah, j'ai plus de piles. Bah attends. Je sais pas du tout ce que je voulais faire. Hop là. Tiens, prends une pile déchargée, c'est très bien. Non, je l'ai pas réparé, du coup, touriste. Bon, à force. Je sais pas si Léviathan a un goût de poulet, mais il est capable de te dire. De te dire sur le Zonia. Mais il est capable de te dire que le Zonia a un goût de poulet. Oui, c'est vrai. Billy? Billy? T'es où? Billy! Je suis là! Ah. Allez, viens Billy. Viens prendre ta sauce. Mais tu triches là. Tu triches, Jackie. Je vais te poursuivre. Hein. Je vais te poursuivre. Je vais te défoncer la gueule. Crois-moi que je vais te défoncer la gueule. Je t'aurai. Non mais je t'aurai. Viens là, viens là. Je vais te forer comme un tas de minerais. Mais reviens. Mais de quel droit tu te casses? Ah, même comme ça, je te casse la gueule. Non, mais tu peux essayer de te fuir. Hein. Je te boufferai le cul à grands coups de forage. Par contre, là, je suis pas en bonne posture. Là, je suis pas en bonne posture. La faille, la faille, la faille. Hop là. Voilà. Tac. Salut. Ça va? Attends, je reviens. Je reviens. Je reviens. J'arrive. J'arrive. T'inquiète pas, j'arrive. D'après le wiki, la drill arm fait 29 de dégâts par seconde. Pendant qu'il te faut de drill, la bête en continue pendant 3 minutes. Oh, ça se fait! Petit petit! Tiens, c'est nouveau ça.
T'es où? T'es où? Vas-y, t'es où? Tu te caches où? Petit petit. Y'a moyen. Y'a moyen. Y'a moyen. Y'a moyen. Par contre, le HUD commence à me saouler. Petit petit, tu es où? Tu es où? Après, tu fais quoi avec un Léviathan mort? Eh ben, je peux me balader dans la zone en mode YOLO. Salut! Petit petit. Vas-y, viens là. Viens là dans le coin du bug. Viens donc là dans le coin du bug. Voilà, viens. Il y a moyen. Je vais t'infiniser, hein. Je vais t'infiniser d'une manière ou d'une autre. Je vais t'infiniser. Sache-le. Je vais y arriver. Je vais t'infiniser. Ouais, je vais t'infiniser. Non, reviens là. Ah, bon, bah même comme ça, je t'infinise, hein. Pas les steaks, hein. Bon, viens là. Hop, allez, viens là. Non, je m'en fous, je t'ai. Je suis désolé si je regarde pas trop le chat, hein. Par contre, là, j'avoue que je suis un peu concentré sur ma tentative de le buter. Je vais en réparer vite fait le petit zozo. Quel gâchis, même pas un ragoût. Ah, si seulement. Moi je veux bien le bouffer, hein, mais le jeu il a dit non. Je nie d'inviter des potes à manger. Bah ouais, ça serait cool, hein, mais bon. Je suis où par rapport à la faille que j'aime bien? Juste à côté. Jackie? Attends, c'est la faille que j'aime bien ça? Non. C'est pas ma faille ça. Si? Ah si, c'est peut-être ma faille. Non, c'est pas ma faille. Non, ma faille à moi elle est plus loin. La faille que j'ai, que j'utilise, elle est plus... mais elle est un peu plus loin. Pété. Pété. Par contre, en vrai, ça me saoule, je l'enlève. Hein. Hop. Voilà, on verra quand même vachement mieux. Ah, bon, bah, je voulais pas être attrapé, mais il a réussi. Tiens. Là, par contre, je regarde le caillou, c'est pas foufou. Viens là. Non mais je t'aurai. Hein. Je m'en fous, je t'aurai. Pop. Ah, reste comme ça pendant 3 minutes, allez, on est bien. Mais non, on est bien. On est bien. Allez, tu bouges pas, hein. Reste coincé, c'est bien, c'est nickel. Voilà. Et franchement, on est bien là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est bien. Ah. Il est dur ce combat, hein. Franchement, il est de longue haleine, hein. Ce combat, il est vachement chaud, hein. Faut tout le temps bouger, c'est très très dur, ça demande vraiment une grosse maîtrise du gameplay. Vraiment. C'est très 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 galère de tuer le Léviathan. Vraiment, c'est compliqué. Ah. Et ben, ça y est.
Ah. 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 Ah là là. Tada! Tranquille, hein? Tranquille? Tranquille? Léviathan ténébreux. Je peux en faire quelque chose? Genre, je peux te cut au couteau? Enfin, juste pour le plaisir. Genre, dans les yeux morts. Oh là là, quel plaisir. Tiens, ça, du coup, c'est quoi? Bah, c'est rien. Ok. Je vais pas remettre la puce parce qu'elle va me déranger avec le. Avec le HUD. Alors, par contre, ce qui est triste, c'est si on a plusieurs. Là, je vais être triste. J'en retombe sur un autre. Je suis un peu deg. Je vous l'avoue. Je me demande si j'en ai pas entendu un deuxième du coup là. Alors là, il y a le Léviathan qu'on a buté qui disparaît dans le décor. Au revoir! Par ici. Il y a des ressources, il y a des ressources. Il y a des ressources, c'est cool. Il y a des types bestioles, mais pour l'instant, j'en vois pas un autre. Ce qui, je vous l'avoue, me rend fort heureux. Bon. On est où là? On est où là? Où est-ce que je suis? Je suis en pleine exploration, hein, du coup, on découvre, on découvre. Oh, attendez, si, je crois que je sais où je suis. Je crois que je sais où je suis. Sauf erreur, on est devant Marguerite. On est juste en dessous de chez Marguerite. Oui, c'est ça. Marguerite est juste ici. Ok. Ok, donc c'est la grotte qui s'enfonce juste ici dans les cavernes de cristal. Soit. Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? On s'enfonce là-dedans. Donc il y a un truc qui va plus en profondeur ou quoi? Ouais, là ça va plus en profondeur. Mais est-ce que c'est très pertinent? Je ne sais pas. Là. Il y a une zone de chaleur, c'est très bien. Oh! 100 degrés! Quasiment à 100 degrés ici, c'est pas mal ça. Si on va mettre une base par ici, c'est pas mal du tout. Par contre, c'est quoi que je cherche? Qu'est-ce que je fais là? À quoi ça me sert d'être ici? Il y a un endroit qui s'enfonce plus ou... Oui, par là. Par là, on s'enfonce. Par là, on s'enfonce. Hop là, bonjour. C'est du distène, ça. Bah écoute, on va récupérer du distène, hein, on y est, on en profite.
Et du coup, si j'ai bien suivi les nouveautés du jeu, de celui-là, normalement, maintenant que j'ai tué le Léviathan, il ne respawnera plus. Donc, on a une zone safe. On a une zone qui est safe. Et ça, ça, c'est le feu de Dieu. Ça, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien pour le coup. Allez. Bon, bon quoi? Bon caca? Bon glouglou? Je vais peut-être stream cet après-midi ce soir. Oh! Et ça, c'est quoi comme minerai? Argent, or. Ok. Ok. Y a des trucs à aller voir plus profond? Non, hein. Or. Attendez, là, il y a des trucs à aller voir ou... Il y a du minerai de distène en dessous. Mais j'ai une raison d'aller là en dessous ou... Il y a un accès vers quelque chose là hein, Non, hein. Non, non, on est d'accord que non, hein. Non, non, il n'y a pas d'accès. Je ne sais pas ce que je fais par ici, du coup. Je ne sais pas ce que je fais par ici. Super, tu continues ta carte, du coup. Je pense, ouais. Un stream dessin, j'ai cru voir. Oui ou deux. Ah, c'est cool, ça. Bon, bah, je suis ici. Ça me fait une belle jambe, hein, mais je ne sais pas ce que je dois faire ici. Je ne sais pas ce que je dois faire ici. Est-ce que j'ai quelque chose à faire ici? En fait, c'est ça aussi la question. C'est pas sûr. Peut-être à d'autres endroits à aller voir. Genre peut-être par là. Bonjour. Est-ce qu'il y a des choses à voir par ici? Ah bah voilà. Ah et bah voilà, on peut s'enfoncer encore. Minerai d'argent. Ouais. Bon, c'est fermé, c'est un cul-de-sac. Par ici. Bon, j'ai l'impression qu'en vrai on n'a pas grand chose à faire par là. J'ai l'impression qu'on n'a pas spécialement de choses à faire par ici, mine de rien. Des espaces ouverts c'est cool, mais j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose. Je vais encore passer 10 000 années à chipoter sur la cape. Mais bon. Da Vinci a passé plus de 25 ans sur un sourire. Petit joueur que tu es. Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire. Hop là, remontons. Quelqu'un qui a fait du bruit quand même. Hein. Ah. Ah. Vous savez ce qui est triste? C'est qu'il a respawn. Je suis déçu. Il a respawn ou c'est pas le même? C'est peut-être pas le même. Alors soit il a respawn, soit il a respawn, soit il y en a deux. Soit il a respawn, soit il y en a deux. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce qu'en fait je n'ai aucune idée d'où je suis par rapport au début. Je n'ai aucune idée d'où je suis par rapport au début. Et j'ai l'impression que je suis pas exactement au même endroit. Donc j'aurais tendance à dire qu'il n'y en a peut-être pas deux, c'est peut-être juste que je suis pas au même endroit.
There's definitely something of value nearby. Bonjour. On s'enfonce, dis donc. C'est quoi l'histoire en fait de... Par rapport à quoi? Par rapport au Léviathan? Soit c'était son partenaire, soit une scientifique... du jeu. L'histoire c'est que on est une scientifique qui est à la recherche de sa sœur. Qui... Enfin, à la recherche de sa sœur. On essaye de comprendre ce qui est arrivé à notre sœur. Qui bossait pour une entreprise de merde. Hein, concrètement. Qui a accusé le fait qu'elle était, était négligente et tout ça. Sauf que nous, on n'y croit pas. On n'y croit pas, on pense que c'est du gros pipeau du cul. Et on essaie de trouver la preuve qu'ils nous ont menti. Et donc pour ça, on est venu sur la planète où elle est normalement morte. Pour essayer de remonter la piste de tout ça. Et effectivement, le premier truc qui nous est arrivé, limite, c'est qu'on est tombé sur un alien qui est venu squatter notre crâne. Ah non, j'ai pas le droit. C'est en... Je suis déception. Ah! Ah, mais y a pas d'air par... Enfin, y a pas d'eau, d'accord. Ok, très bien. C'est joli ici, hein. C'est sympa. Ah, petite pluie, petite bruine. Et donc, on essaie de se débarrasser du... Du zozo. Ok, je me suis calmé. Et l'alien est super intéressant. Les dialogues qu'on a avec l'alien sont super ouf. Je suis ici. C'est très joli. Je vais suivre les petites lumières. Oh, salut. Oh. Non, je déconne, je vais les tuer. Oui. Ah ouais, ça a de la classe. Ça a de la classe, hein. Ça a de la classe. Bonjour. Ok. C'est quoi ça? C'est genre ton système nerveux ou une connerie comme ça? You will be able to construct bionic organs with the scanned material, both primary and secondary. Our designs provide for redundancies. Given your current location, I think they could still be improved. Your feedback has been noted. Oh, ok, c'est tout. C'est. Je suis venu pour ça et basta. Ah. Et donc maintenant j'ai accès au schéma de ça, ça, et il me manque les tissus d'architecte alors que par contre ça, zubi. En vrai je vais tout faire pour récupérer la bague et trouver un petit bijoutier familial et la retaper, l'améliorer. J'ai peur de... Mon copain va faire les courses pour lui ce soir, je lui ai demandé de prendre des trucs pour moi. Et tu penses que ça n'arrivera pas, qu'il va oublier des trucs, qu'il va prendre du caca? Du coup, il me manque la peau. Il me manque la peau. Il me manque la peau du... Du monsieur. Il va me manquer sa peau que je ne sais pas encore où c'est, quoi c'est. En tout cas, ça a la classe par ici, hein. Franchement, ça a la classe. Il trouve jamais ce qu'il faut et finit par rager parce que je demande des trucs trop compliqués. Faut le faire quand même. J'ai demandé de la mozzarella et des tomates. Ah. C'est pas très compliqué quand même. C'est pas super compliqué quand même. Sans vouloir paraître vexant envers ton copain, hein, mais quand même. C'est pas vraiment le truc le plus compliqué du monde à trouver. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Juste un joli cristal? Bon bah, juste un joli cristal. Et là, il y a du distène. On en a récupéré pas mal en soi. Comment est-ce que je remonte par là? Par ici. Ah
Hop, 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 hop. On remonte notre petit chemin, hein, qui sent la noisette, hein, comme on dit. Il est méga brillant en ce qui concerne la programmation et les mathématiques, mais des fois, pour la vie pratique, il manque d'organisation en matière de survie. Hop là. Ah, salut. Je pense que ce n'est pas le bon chemin. Je pense que ce n'est pas le bon chemin. Je crois qu'il y avait deux endroits gardés par les bestioles et que je suis passé par l'autre endroit. Je pense que je suis pas du tout du bon côté. Ou alors il est venu fouiller là alors que j'y étais pas. Mais ça, ça serait méchant. Ça serait un vrai véritable malotru qui aurait fait ça. Non, il y a un autre accès. Ouais, il y a un autre accès. Voilà, il y a un autre accès. Je me disais bien que j'étais pas venu par là où il était. Voilà, allez. J'aime ni les courses ni le shopping de manière générale. Par contre, je me sens comme une enfant dans un magasin de fourniture d'art ou une librairie. Mais oui, non, mais les librairies. C'est voilà. Ah, on va retomber. Voilà, bien te poser là. Oui, je sais que je dois manger, mais je suis un peu loin. Hop là, hop là. Bah tiens. Attends, je suis un peu loin, mais il y a des poissons. Petit, petit. Voilà. Allez, 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 ah, merci. Peut-être pas faire le malin en me baladant, en nageant comme un Tardos en plein milieu d'une zone où il y a au pif des Léviathans. Ah, parfait, tac. Ah, mais je sais où c'est qu'il y a. La peau, elle est forcément au niveau de là où il y a à la surface. C'est le seul truc qu'on n'a pas fait. La base tendue est 400 mètres au-dessus. Comment est-ce que je rejoins la base tendue? Non. Pas la bonne direction. Peut-être par là-bas. Trouverons-nous la sortie ou allons-nous mourir comme un caca de faim? Les deux sont possibles et c'est très triste. On est déjà venu dans une zone rouge. On n'est jamais venu par ici. Attends, me fais pas découvrir des choses. Je suis perdu. Attends le jeu, déconne pas. Je veux juste rentrer à la maison et manger. Voilà, tac. Je vais récupérer du poisson. Oh, la magnétite. Cool. On va bouffer des poissons comme ça au pif. Hein. Oui, oui. Je fais ce que je peux. Hop. Ah! Il me feinte. Il me feinte, le salaud. On va bouffer un peu ce qu'on peut comme poisson. Hein. Là, on va être en mode zombie. L'idée, c'est de se nourrir. Hop, 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 hop. Ouais, voilà, ça passe. Ça passe. Maintenant, on peut retourner à l'exploration. Yolo, hein. Yolo. Alors, c'est quoi ce coin? Bonjour.
Il y a l'air d'avoir des choses par ici. C'est joli en tout cas. C'est très joli en tout cas. C'est très sympa. Ah, c'est très 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 sympa. J'aime bien. Est-ce qu'il y a des choses incroyables? C'est quoi ces trucs là? Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où du tout où je suis en mode touriste. Je sens la présence d'une substantielle facilité dans l'area. Unable to identify. Hop hop hop, je l'ai vu. Ah, de toute évidence, lui aussi. Ah, eh bah salut. C'est pas très gentil de m'attaquer. Monsieur, c'est pas très gentil. Par contre, je pense qu'il me réattaque, je suis mort. Putain, je pense que je suis mort, je pense que je suis mort. Réparer. On va prier pour te réparer. Ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde. Ça pue la merde. Ah. Ah. Oh bordel. Il est parti par là-bas, d'accord. Bon, on va faire attention. On va faire attention à ces petites fesses, hein. C'est pas fun. Mais non. Ah bordel, il est là. Il est là où il y en a deux. Putain l'enfoiré. Lâche-moi. Oh bordel, 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 bordel. Non, non. Non, on lâche. Ça suffit. Ça suffit. On ne me mange pas les fesses. Oh là là, quel enfer. Oh là là, quel enfer. Vous savez que je cherche toujours à la base comment rentrer à la maison. Hein. À la toute base, je cherchais le coin. On voit que dalle, comment ça se fait? On peut avoir de la lumière s'il vous plaît. Oh. Je sais pas où je suis par rapport à la zone de début d'où on est parti. Ah, tu es là. Salut Jackie. Viens, on dit que non. Viens, on dit que non. Oh, oh, oh.
Oui, bien sûr. Je m'en occupe dès que j'ai fini le live. Pas de soucis. T'as fait quoi au juste? On rigole. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Ah, bordel, mais quel enfer. Comment est-ce qu'on sort d'ici? Je veux juste sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi. Je veux juste me tirer de là. Attendez, je crois que je reconnais le coin. Ah non, c'est de là que je viens. Non, peut-être par là. C'est infernal. Je suis perdu. Je suis perdu. Je sais absolument pas où je suis. Je ne sais absolument pas comment sortir d'ici. Attendez, il y a l'air d'avoir un truc par-dessus. Ouais, peut-être par là. Ça a l'air de remonter, c'est bon signe. Si on remonte. Si on remonte, c'est bon signe. Puisque c'est ce que je veux. C'est un labyrinthe ce truc hein. J'avais mal écrit mon adresse email. Ah. Et du coup ça m'avait fait un compte. D'accord. Et en fait il y a déjà un compte. D'accord. Oula. Quel bordel. Ah ça y est, j'ai retrouvé. Ah, j'ai retrouvé la sortie. J'ai retrouvé la sortie, les copains. On va pouvoir s'enfuir. Oui. Oui. Quelle joie. Quelle joie. Oui. Oui. Parfait. Par contre, vous savez ce qui est triste dans la vie? Dans la vie, ce qui est triste, c'est quand même que je suis mort deux fois de m'être noyé comme un caca en construisant des trucs. Et que je suis jamais mort par un Léviathan, mais que par contre j'ai réussi à buter un Léviathan. C'est-à-dire que pour moi, je suis moi-même un pire ennemi, parce que je passe trop de temps à vouloir construire des trucs et compagnie, à s'en faire gaffe, qu'un Léviathan, qui est un super prédateur. Je sais pas si vous vous rendez compte de la tristesse de la chose. Voilà. Ah! You have found two of the three components required for the construction of the corporeal form. This is as close as I have come to autonomy in a long time. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. Ouais. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes. That is why a cure was imperative. Ok, ok. Écoutez, on n'est pas trop mal sur la VOD. C'est un bon hybride, hein, c'est un bon hybride. J'ai rattrapé mes bêtises, faudra juste me remettre chef de Zooland et le grade de Fougère Suprême. Il n'y a pas de souci, aucun problème. Je fais ça dès que je coupe le stream, là. Il devait avoir un eugénisme de fou. Oui, oui, non, c'est... Enfin, oui. 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 Voilà, tac. Où j'ai récupéré des choses, c'est incroyable. Je suis parti récupérer de la magnétite, j'en ai.
J'ai récupéré du distène également, parce que tant qu'on y est, hein. Tant qu'on y est. Cuivre. Il me fallait deux améliorations pour le QG là-bas. Hop, hop, on en fait une. Et on en fait deux. Parfait. Donc ça c'est bon, c'était notre mission, c'était pour le radar là-bas. Bon finalement on a fait plein de choses plus que le radar là-bas. Tac, ça on le replace. On est pas mal, on est pas mal. On a découvert une nouvelle zone très très loin en profondeur. D'ailleurs est-ce que c'est une des zones qu'on voit ici? Je pense que c'est quelque part par là que ça s'enclenche. Je pense que c'est quelque part par là que ça s'enclenche. C'était assez incroyable. C'était assez incroyable. Pour le coup, c'était assez incroyable. C'était pas mal, hein. Franchement, on s'est bien débrouillé. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé. On peut éventuellement faire des composants. 1, 2. Ok. On va finir ça pour finir la VOD. On va faire les morceaux du corps de notre camarade. Ah oui, on va aller aussi faire ça accessoirement. Ok. Ok. Non, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Je ne sais pas où est-ce que je suis censé craft les morceaux de son corps. Où est-ce que je suis censé craft les morceaux de son corps? Je suis pas sûr qu'on le puisse en fait. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire. Il faut peut-être un endroit particulier. Il faut peut-être un endroit particulier auquel on n'a pas accès. Donc pour l'instant, on va dire tant pis. On va mettre le distène ici. On va venir mettre... Bah, ça c'est déjà plein. On va aller chercher à manger. Je sais pas du tout où est-ce qu'on doit le craft. Ne me répondez pas, je le découvrirai par moi-même. Hein. Mais faudra découvrir où c'est. Faudra découvrir où c'est. Tac, tac. Viens faire ça, viens faire ça, viens faire ça. Hop, hop. On va venir refaire à manger. Hop là, on va dire... 6, c'est bien. Non, plein. Tac, tac, tac. Franchement, c'était une bonne balade. C'était une très très grosse balade. C'était une bonne balade. On est vraiment allé dans des endroits très sympas. J'aime beaucoup la zone de cristal rouge. Par contre, c'est bien bien habité. Étonnamment, c'est bien bien habité. Je pense que du coup, il faudra faire une base avec un radar pour voir en fait les bestioles. À voir également si on fait pas du coup des armes. Si on fait pas des armes pour essayer d'éliminer les léviathans. Après tout, on a vu qu'on pouvait en tuer un, mais ça prenait grave du temps. Et puis on a eu de la chance d'avoir un bon territoire avec une espèce de faille qui nous a bien protégés. Enfin, voilà, on était quand même, on n'était pas trop mal. On était quand même pas trop mal, on va pas se mentir. Donc faudrait faire gaffe à ça. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs plutôt cool. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs plutôt cool. Ça en fait des bestioles, ça en fait. Ensuite. Il faudra faire autre chose, c'est alimenter la base Logan en énergie, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. D'ailleurs, je n'ai plus assez de magnétite. Oh, je peux faire deux... Non, je peux en faire qu'un. Je peux faire qu'un seul réacteur. Ah. Je peux faire qu'un seul réacteur. Après, en vrai, je pense que j'irai démonter des réacteurs qu'on avait déjà fait. Parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir autant. J'en ai mis plein et au final comme ça n'alimente que cette seule base, je pense que je vais démonter les autres parce qu'ils sont pas nécessaires, pas à cet endroit là, et on ira raccorder ailleurs la base de Logan. Je sais pas encore comment, je sais pas encore où, mais on fera ça. Nous en tout cas pour cette VOD on va s'arrêter là, elle est peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais en même temps il est 17h presque et demi, je suis un peu claqué, donc voilà, c'est la fin, c'est la fin. Des gros bisous, petite fougère de YouTube. Tu trouveras en description tous les liens un peu importants. Et ciao, ciao, ciao!